récupérerai bien ma banette. Récupère ta banette. Ouais, voilà, tout le monde se lève pour banette. Tu peux revenir vite fait sur les braquettes, d'accord? Le braquette, ok, pas de problème. Ah oui. Ouais, je veux dire Alex. Donc, vous m'excuserez messieurs, il faut que je commente. Donc bonjour à tous, ici Ghost, on va donc commencer ce magnifique match, premier BO5 du tournoi. Match Fate contre Otomai. Et ça va être bien, je l'espère. Alors, Falco contre Mario. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-up si ce n'est que bah, ce sera l'avantage de Mario, évidemment, l'eau tiers oblige. Donc pour l'instant, bah voilà, c'est ce que je disais, Mario il va pouvoir faire des combos comme il veut, et Falco il va avoir du mal à s'imposer parce que comme il est relativement lent et assez pato, globalement il est pas très agile, contrairement à Mario qui va se faire dans tous les sens faire des combos en veux-tu en voilà. C'est grave. Alors auto essaye des trucs avec les multi-jabs, mais bon les multi-jabs de Falco c'est pas forcément la joie. Essaye de donner avec son laser, mais. Il tente des petits setups à base de downtilt, c'est pas mal. L'idée est là, mais le résultat est pas optimal. Ah ça c'était bien joué, il a été chercher le fer. Bon, le fer c'est vraiment offstage chez Falco que ça va tuer, ou alors à très très haut pourcent. Flash raté. A essayé de couvrir son atterrissage, son landing avec le down B. C'était osé. Il tente de récupérer le frame. Évidemment le IA. Donc alors même si Otto arrive à faire pas mal de pourcents, c'est compliqué, c'est très compliqué de s'imposer dans ce match. Parce que vraiment Mario fait ce qu'il veut. Avec un perso qui a du mal à s'imposer sur stage. Et offstage, bah pareil, Falco a vraiment rien pour lui dans ce match-up. Voilà, le fer. C'est. Donc voilà, on l'a vu pour l'instant, domination totale pour Fate. Otto peut rien faire, malheureusement. Malheureusement pour lui. C'est compliqué. C'est très très compliqué parce que. Voilà, ça m'étonne pas qu'il change parce que vraiment. Vraiment face à un Mario, Falco il est trop lent, il est trop. Je vais pas dire lourd parce qu'il est pas lourd, Falco, mais bon, ça change. Ça part sur un Link. Ah, attendez. Ça part sur un Link contre Lucina. Lucina, évidemment, la waifu de Fate, hein, comme chacun sait. Il a un autocollant sur sa manette à son effigie. Évidemment, le perso du cœur. Donc, là encore, je sais pas trop ce que ça va donner comme match-up. Ce sera, à mon avis, moins complexe que Falco Mario. Parce que Link va avoir un peu plus d'arguments quand il s'agit de tuer. Et il va peut-être tenir un peu plus longtemps sur le stage. Mais en face, on a Lucina. Lucina, donc très très agile, qui va pouvoir peut-être slalomer entre les projectiles avec une grâce féerique, évidemment. Pouvoir slalomer entre les projectiles de Link. Pour l'instant, avantage à Otto. Non, avantage à Fate, pardon. Qui va le confirmer. Alors, Otto, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a raté sa Rico. C'est dommage. Otto qui n'arrive pas à imposer son jeu de projectile. Qui essaye de mettre la pression sur le shield. Oh, c'était bien joué ça. Le petit. Il a bloqué la plateforme pour venir tranquillement en voyant que Fate insistait sur l'option défensive. Là, on va arriver à 4% du côté de Link. Peut-être. Ouais, encore quelques pourcents et Link pourra tuer sans trop de soucis. Mais encore, c'est vraiment compliqué d'approcher. Si Fate continue à bourrer dans le shit, ça va peut-être être pas mal pour Otto, mais bon. Il faut déjà que Fate arrive à bourrer dans le shield. Et je pense pas que ça arrivera comme ça. Oh là là! Oh là là! Oh la catastrophe, la SD de merde! La fameuse! Fate qui a voulu se la péter. Eh bien, il est puni. En tout cas, les deux stocks ont été pris sur des schnapseries de ce style-là, donc. Je sais vraiment pas trop comment ça va jouer. Fate qui essaye de setup pour un smash, il veut en finir rapidement, là, il a pas le temps. Et surtout, il a un gros avantage. Oh là 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 là, c'était tellement dangereux. Heureusement, Otto a réussi à Rico et Fate a pas frappé de son côté. Donc, voilà, le up smash, ça pique. C'est compliqué du côté de Otto. Il s'en est un peu mieux sorti sur ce match-là. Mais bah, ça reste très très difficile parce que faut s'imposer difficilement.
Je vais vous laisser en compagnie de celui-là, celui qui va s'imposer. Ou Xella, j'ai pas décidé. Non, vous vous arrangez entre vous, je m'en fous. Bref. Démerdez-vous. Merci pour ce petit instant. Moi, je vais perdre contre Verdi. A plus. Donc bonsoir mesdames et messieurs, ici Shiro Plasma et on se retrouve donc pour le second match de Otomae contre Fate. Donc Mario versus Link pour le coup. Fate c'est la première fois que je le vois depuis qu'il... Enfin je sais que c'est l'ancien meilleur joueur de Nantais mais il était jamais venu depuis que je suis arrivé. Donc je découvre un peu son gameplay en même temps que vous. Enfin sauf si vous le connaissez déjà que vous êtes des anciens mais qui suis-je pour le savoir. Donc on a Fate qui joue Mario contre Link. Pour le coup Link comme ça cherche à garder son adversaire à distance. Je pense que Mario ça doit être un bon match-up vu l'agilité de Mario. Enfin Mario a du mal malgré sa mobilité, va avoir du mal à trouver la faille parmi les multiples outils de Link pour pouvoir combo n'importe quoi tout n'importe quoi, ce qui fait de façon excellente en général. Ouais, le neutral de Fate a l'air relativement solide. Le neutral de Fate a l'air vachement solide. Ah non mais je sais bien. Et après le reverse, le perfect pivot up smash. Perfect pivot up smash de la part de l'intangibilité sur la tête, je pense qu'il lui a assuré le coup parce que je crois que sinon ça aurait trade. Je sais pas si ça aurait tué pour le coup. Après là, en low pour 5 comme ça, Mario ça se fait un plaisir fou, hein, on l'a vu, vous l'avez vu 50%. Absolument gratuit, le Jablock qui est pas passé, c'est dommage. Si le Jablock était passé, pour le coup c'était F-Smash et c'était game over. Hein. On voit que Fate a pas usurpé, pas du tout usurpé son titre. Oh, le nerf qui stage spike, pas de tech de la part d'Otomae, c'est dommage. 3-0 pour Fate déjà. Waouh, ça. Le temps passe vite quand on s'amuse.